place, elle est plutôt là. Pendant le confinement, un petit peu comme vous tous, on se sentait un peu frustrés, on se demandait pourquoi cette situation. Et surtout, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire. On se sentait un peu impuissant. Et donc, en tant que compagnie de théâtre, en tant qu'artiste, on se dit ce qu'on peut faire, c'est raconter et parler des choses importantes qui concernent notre planète. Alors, on a fait des ateliers, on a invité des enfants pour préparer un spectacle ensemble. Et bah, ça va commencer. Je vais tout raconter. Dans ses mains, il y avait un secret. Un secret que personne ne connaissait. Un jour, des bateaux arrivèrent par la mer. Dans ces bateaux, il y avait des guerriers. À leur tête, il y avait Bao le Terrible. Les larmes que le vent me porte et qui me donnent la vie, il est plus fort que moi! L'archétype écorce s'enfla si bien qu'elle creva. Bon ! Alors, comment pouvez-vous être un ours ? Non seulement vous êtes un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure, mais vous êtes têtu comme un mulet. Et je vais vous le prouver, une fois pour toutes, que vous n'êtes pas un ours. Mais je suis bien un ours. Je sais, moi, qui l'est. C'est un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. Rouges et fourmis noires ne peuvent pas se voir. La tension entre elles est extrême, c'est la haine, ça pose problème. Son petit cœur palpite, tellement il bat vite. Sophie, toute fière, elle aussi franchit la frontière avec son sac lourd comme une pierre. Toutes deux avancent, toutes deux avancent, toutes deux avancent. Besoin d'écrire quelque chose à partager comme une nécessité. Un besoin d'écrire quelque chose à partager comme une nécessité. Un besoin d'écrire. Merci à tous. Merci.